Bonjour, aujourd'hui ben c'est le week-end, donc dans cette lecture de samedi, j'avais envie d'être un peu plus léger, j'avais envie de revisiter les phrases cultes de Audiard. Je pense que c'est pas mal, hein. Voilà, alors on commence la plus célèbre. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Ça, c'est les tontons flingueurs. Les ordres sont les suivants. On courtise, on séduit, on enlève, et en cas d'urgence, on épouse. C'est les barbouzes. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. 100 000 dollars au soleil. La tête dure et la fesse molle. Le contraire de ce que j'aime. Comment réussir quand on est con et pleurnichard? Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin. D'accord. Mais ça vole. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Mais pourquoi je m'énerve? Je m'énerverais, monsieur. Monsieur joue les lointains. D'ailleurs, je peux très bien lui claquer la gueule sans m'énerver. Le CAF se rebiffe. Quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Le Pacha. La justice, c'est comme la Sainte Vierge. Si on la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. Pile ou face. Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Un singe en hiver. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Un taxi pour tout bouc. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Le guignolo. Dans la vie, il faut toujours être gentil avec les femmes, même avec la sienne. Série noire. Je suis par contre pas contre les excuses, je suis même prêt à en recevoir. Les grandes familles. Il vaut mieux s'en aller la tête basse que les pieds devant. Archimède le clochard. Quand on n'a pas de bonne pour garder ses chiards, eh bien, on en fait. Mélodie en sous-sol. Plus t'as de pognon, moins t'as de principe. L'oseille, c'est la gangrène de l'âme. Des pissenlits par la racine. 2 milliards d'impôts. J'appelle plus ça du budget. J'appelle ça de l'attaque à main armée. La chasse à l'homme. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est dire si, dans ma vie, j'en ai entendu des conneries. Un idiot à Paris. Le flingue, comme ça, de sang-froid, sans être tout à fait de l'assassinat, il y aurait quand même comme un cousinage. Ne nous fâchons pas. À travers les innombrables vicissitudes de la France, le pourcentage d'emmerdeurs est le seul qui n'ait jamais baissé. Une veuve en or. Moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance et une sévère. Je vais lui montrer que c'est Raoul aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver, éparpillé par petits bouts, façon Pulse. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Les tontons flagueurs. Puis, plus t'as de pognon, moins t'as de principe. L'oseille, c'est la grande graine de l'homme. Je crois que j'ai déjà dit. La putain est indissociable des choses de la mer. Je ne conteste pas qu'elle révérole un peu le matelot, mais elle enjolive la conversation. La grande sauterelle. On est gouverné par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne sauraient pas faire pousser des radis. L'été, les vieux cons sont à Deauville, les putes à Saint-Tropez, et les autres sont en voiture un peu partout. Bienheureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Conduire dans Paris, c'est une question de vocabulaire. C'est mon papa, moi, que je vais retrouver. Actuellement, il est à Vichy, mon cher papa. Ah, c'est un homme qui a la légalité dans le sang. Si les Chinois débarquaient, il se ferait mandarin. Si les nègres prenaient le pouvoir, il se mettrait un os dans le nez. Si les Grecs. Oui, enfin, passons.
Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Ça aussi, je l'ai déjà dit. La justice, un gentleman, c'est celui qui est capable de décrire Sophia Loren sans faire de gestes. Je suis pas un gentleman. J'ai été enfant de cœur, militant socialiste et... Ah, j'ai déjà dit merde. Sachez qu'il y a aussi des patrons de gauche. Oui, il y a aussi des poissons volants. Mais ça ne constitue pas la majorité de l'espèce. Dans les circonstances que je tiendrai secrètes, une personne dont je tairai le nom m'a dit des choses que je ne peux pas répéter. La retraite, faut la prendre jeune, faut surtout la prendre vivant. C'est pas dans les moyens de tout le monde.